Mon message pour vous aujourd'hui est très clair, très simple. Prenez courage. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, prenez courage. Que ce soit une perte d'argent, une perte d'emploi, une perte de situation de vie, vous avez peut-être perdu quelque chose de très important dans votre vie. Et ça vous perturbe. Ça vous dérange et vous en perdez votre sommeil. C'est normal. Ça peut arriver à n'importe qui. Prenez courage. Vous n'êtes pas la première personne qui ait subi ce que vous subissez aujourd'hui. La vie est très courte. Hein? La vie est très brève, beaucoup plus brève qu'on le pense. Je me souviens très clairement quand j'avais encore 10 ans, hein? Quand je faisais du bruit à la maison, réclamant de l'argent, hein? Quand j'avais 15 ans, 16 ans, crise d'adolescence. Le temps passe très vite. Les choses que je pensais ne jamais pouvoir faire, je les ai peut-être déjà accomplies. Très vite, sans le savoir. Et je me rends compte que c'est passé tellement vite. Mais une chose, je sais, je n'ai jamais eu peur. Jamais eu peur de l'inconnu. Jamais eu peur du manque d'argent. Jamais eu peur de l'indisposition sociale. Peu importe ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous marier, n'attendez pas que les choses s'alignent à la perfection pour le faire. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour le genre de mariage que vous voulez faire, le genre de cérémonie que vous voulez organiser. Je comprends, hein, les gens veulent souvent avoir des choses particulières, ça n'arrive qu'une seule fois. Mais sachez une chose, demain n'est promis à personne. Les gens que nous voyons hier, nos amis, nos potes très intelligents, souvent très élégants, ou plus intelligents que nous, ne sont plus là. Prenez courage aujourd'hui. Si vos cœurs s'accordent, même dans un studio, ok, l'avenir prendra soin de soi. Prenez courage. Prenez courage, faites ce voyage. Prenez courage, allez-y. Légalement, ne traversez pas les hautes mers en espérant atteindre le paradis. Il n'y a pas de paradis de l'autre côté. Mais si le voyage est nécessaire pour vous, si vous sentez qu'il vous faut aller quelque part pour vous retrouver, n'attendez pas l'argent de l'oncle, n'attendez pas la participation de la famille. La famille ne le fera peut-être pas. N'attendez pas l'accord des gens qui vous sont proches. Ils seront peut-être les premiers à vous décourager. Je vous ai déjà raconté mon histoire, vous le savez. Ceux qui m'ont découragé dans le monde quand je m'y initiais à l'époque sont les mêmes personnes qui sont venues plus tard auprès de moi, me demandant de l'aide financière. Ceux qui vous découragent ne comprendront pas nécessairement votre vision. Écoutez, votre vision est votre vision. Voilà pourquoi elle vous a été donnée à vous et pas à eux. Tout le monde ne comprendra pas votre vision. Nous sommes peut-être tous humains avec une tête, des bras, des jambes, mais chacun a son ADN. C'est unique. Chacun a son empreinte digitale. C'est unique, 7 milliards de personnes sur Terre. Il n'y a aucune personne qui ne pourrait vous remplacer ou qui vous est égale. Prenez courage dans votre projet, dans votre vision. Prenez courage. Même si ça semble noir, obscur, même si vous avez peur, vous avez été rejeté, vous vous sentez tout seul dans le froid, prenez courage. Rien n'est permanent. Rien dans la vie n'est permanent. Les difficultés que vous traversez finiront par partir à un moment. Les conditions de vie difficiles que vous embrassez en ce moment, qui vous assujettit, vous asservit en ce moment, est temporaire. Le moment viendra, ça partira. Les conditions de vie permanentes n'existent pas. Même pas les bonnes. Voilà ce qui fait peur. Même pas les bonnes. La vie n'est qu'un mystère, une succession d'événements, un changement constant de situation. Prenez courage. Allez-y. N'ayez pas peur. Pas peur de l'inconnu. Pas peur du manque d'argent.